tool that will help shape your future on both a personal and professional level. With 4 campuses in La Rochelle, Tours, Orléans, and Paris, Excellia offers a network of expertise. The future means working together as a team, multicultural, multi-campus, multi-school. Join us and be part of a community with a global outlook. The human element is central to everything we do, whether it's education or experiences, discovery, creativity, reflection, experimentation. So many benefits to academic expatriation. Humacité and Climacité, our civic, humanitarian, and solidarity initiatives, helping promote your personal and professional development. We will help you to see the world from a different angle, to understand it better. Excellia's faculty are all experts in their respective fields. Educated for the careers of tomorrow, our learners benefit from ever more innovative and immersive teaching methods on smart, well-equipped campuses. Knowing who you want to be also means knowing the type of world you want to live in. Now is the time to act for the future. Help the environment whilst you learn. Our clubs and associations play an important role, offering opportunities and challenges. You will realize just what you are capable of achieving. So what kind of project are you interested in? Societal, environmental, vocational, artistic? Join Excellia to explore the possibilities. Sharing, humanity, courage, responsibility, commitment. Driven by Excellia's core values, come and explore new horizons. Join Excellia and become the person you've always wanted to be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée aux lycéens préparant le baccalauréat afin de décrypter ensemble les clés de Parcoursup pour choisir une école de commerce et pour intégrer une école de commerce. Donc je me présente, je suis Asma Salehi, responsable orientation sur le campus Excellia Paris à Cachan. Donc je vous présente également mes meilleurs voeux pour l'année 2023, donc mes meilleurs voeux de réussite. Nous sommes d'ores et déjà impatients de vous recevoir sur nos campus La Rochelle, Tours, Orléans et Paris afin de passer vos épreuves orales. Tous les responsables Excellia restent à votre disposition pour des rendez-vous personnalisés. Vous pouvez déjà nous contacter, prendre rendez-vous et nous rendre visite. La semaine prochaine, nous organisons des journées portes ouvertes sur nos campus d'Orléans et Paris. À Paris, j'aurai l'honneur et je serai ravie de vous accueillir. Au programme, vous allez pouvoir rencontrer les différents intervenants, rencontrer les ambassadeurs et également assister aux cours d'immersion pour pouvoir vous projeter dans la peau d'un futur étudiant à Excellia. Aujourd'hui, pour ce webinaire, qui est dédié donc aux clés pour de Parcoursup pour intégrer une école de commerce. Je vous rappelle que on aura une intervenante, donc Laure Perche, qui est conseillère, coach et formatrice en orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'une étudiante Candice, étudiante en première année BBA, qui pourra partager avec vous les meilleurs conseils pour Parcoursup. Et un témoignage également de sa maman, qui sera également présente pour répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, on va pouvoir consacrer un temps d'échange de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'on puisse également y répondre avec Laure Perche et Candice ainsi que sa maman. Nous allons accueillir tout de suite Laure Perche pour voir ensemble et découvrir les conseils pour optimiser son profil sur Parcoursup.
C'est un moment de stress. Parcoursup ouvre ses portes le 18 janvier. Donc, je vous laisse prendre la parole et nous prodiguer les meilleurs conseils. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre confiance. Bonjour à tous. Donc oui, moment de stress qui vient de plus en plus tôt dans la vie d'un lycéen. L'objectif de ce webinaire est justement de faire baisser ce niveau de stress, hein, vous faire prendre conscience qu'à partir du moment où on a compris comment fonctionnait cette plateforme, qui n'est qu'un outil, qui n'est pas une fin en soi, eh bien, tout va très bien se passer. D'accord ? Donc, on va essayer d'aborder tous les aspects du fonctionnement de Parcoursup et on fera un petit zoom sur les études de commerce ou les candidatures possibles en école de commerce, en tout cas pour faire des études de commerce via cette plateforme. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous un support de présentation de manière à ce que vous ayez, en même temps que mes explications, quelques traces écrites qui vous permettront de mieux comprendre comment cela fonctionne. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et donc, logiquement, vous devriez voir ma présentation. Est-ce que quelqu'un peut affirmer que cela fonctionne bien ? Tout est bon pour vous ? Oui, c'est bon, ok. Alors, donc, les clés de Parcoursup 2023 pour intégrer l'école de commerce. Tout d'abord, un tout petit préambule rapide. Je vais vous présenter le schéma des études supérieures en France parce que c'est bien le contexte. Ce schéma est très chargé. Le but n'est pas que vous arriviez à le lire maintenant. Sachez que vous pouvez le trouver sur le site de l'ONICEP. Hein, juste pour vous dire que, donc, en France, on a différents types d'établissements qui permettent de faire des études post-bac. Donc, évidemment, toute la partie universitaire avec les licences, là je parle du post-bac, les licences, les DUST, les DUT dans les instituts universitaires technologiques qui se sont transformés depuis 2021 en BUT et également des diplômes d'État spécialisés, ça ne nous concerne pas dans le domaine des études de commerce. Ensuite, on a donc tout un tas d'études spécialisées, d'écoles spécialisées, c'est peu le cas aussi. Enfin, ça peut être le cas dans notre domaine, mais c'est plus dans le domaine médical et paramédical ou social. Ensuite, nous avons les lycées qui proposent bien sûr des études supérieures, notamment au travers des BTS et parfois de licences professionnelles. Et puis enfin, les grandes écoles, et c'est plutôt ce qui nous intéresse aujourd'hui, en ce qui vous concerne en tout cas, vous qui êtes intéressé par des études de commerce. Donc, grandes écoles que l'on peut atteindre de deux manières, soit en passant par une classe préparatoire aux grandes écoles et en passant des concours post-prépa, ou en rentrant directement post-bac, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure en faisant un zoom, évidemment, sur Excellia. Alors, nous allons aborder Parcoursup au travers de ces quelques questions que j'aime bien utiliser parce qu'elles sont pratiques, elles permettent de ne rien oublier sur un sujet. Donc, pourquoi Parcoursup ? À quoi sert cette plateforme Parcoursup ? Pour qui, évidemment, à qui est-ce qu'elle s'adresse ? Comment, qu'est-ce qu'on y trouve, hein, le quoi ? Comment est-ce que cela fonctionne ? Quand, c'est-à-dire le calendrier de Parcoursup, où vous allez voir, évidemment, qu'il y a différentes personnes, en fait, qui sont concernées par l'utilisation de la plateforme, et combien ça coûte et combien de temps ça prend ? Parce qu'effectivement, c'est surtout chronophage, en fait. Plus que stressant, du temps que ça va nécessiter. Alors, pourquoi Parcoursup ? Quelle est la raison d'être de cette plateforme ? Cette plateforme est un outil informatique extrêmement pratique qui permet de centraliser plus de 21 000 formations publiques et privées reconnues par l'État. C'est le point commun, je dirais, de toutes les plateformes, de toutes les formations que vous allez trouver, pardon, sur cette plateforme. Il faut se sauter de l'idée qu'on ne trouve que des formations publiques, évidemment, et des formations privées qui sont là. Pour le coup, le point commun, c'est qu'elles sont toutes reconnues par l'État, c'est-à-dire que le titre est à minima inscrit au registre national des certifications professionnelles. Après, il y a tout un tas de labels divers et variés en fonction des diplômes, mais qui ne rentrent pas en jeu dans les critères d'admission Parcoursup pour que l'école puisse passer par cette plateforme pour sélectionner. Le point commun, c'est que toutes les formations qui passent par cette plateforme sont forcément reconnues.
De Parcoursup, c'est un site qui, du coup, vous donne énormément d'informations, puisque chaque diplôme accessible ou chaque formation accessible via cette plateforme possède une fiche, hein, à rédiger une fiche d'information dans laquelle donc, vous allez trouver le contenu des études de manière synthétique, bien sûr, mais aussi les attendus de l'école ou de l'université par rapport aux compétences ou aux connaissances que les élèves qui candidatent doivent déjà avoir. Également, des idées de poursuite d'études ou de débouchés professionnels. Très important, les dates des journées portes ouvertes, les JPO, qui sont proposées par les établissements, que vous aurez dès le premier onglet sur Parcoursup, de la fiche Parcoursup. Et enfin, tous les pourcentages d'admission. Et avec une nouveauté cette année, on vous dit combien de temps l'établissement a mis à remplir sa formation. Donc, ça va vous donner une idée du délai au-delà duquel vous pouvez vous dire que ça y est, c'est fini, ils ont rempli, et il y a peu de chances que vous soyez pris, ou au contraire, si vous êtes toujours dans le délai, soyez serein, vous allez, ça va remonter, vous verrez avec le système de liste d'attente que vous aurez peut-être une chance d'être pris, même si ce n'est pas dès le premier jour de la réponse au vœu. Donc ensuite, Parcoursup enregistre donc toutes vos candidatures, que ce soit sur dossier ou sur concours. Le fait de se présenter à un concours qui passe par la plateforme Parcoursup fait qu'en fait, vous faites votre candidature sur Parcoursup, mais ensuite, vous irez passer votre concours avec des épreuves écrites ou orales. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Enfin, donc ça auto en fait finalement le processus dans le sens où ça traite toutes les réponses des établissements et des candidats en même temps. Mais en aucun cas, Parcoursup n'est qu'un seul algorithme qui traiterait en même temps toutes les formations. Je veux que vous sortiez cette idée de la tête qui est une rumeur qui persiste et qui signe depuis des années, mais qui est fausse. Chaque établissement rentre ses propres critères de choix, de sélection de ses candidats. D'accord ? Donc, évidemment, derrière, il y a un système informatisé donc qui va permettre de faciliter le tri des dossiers. Mais ce n'est pas un algorithme unique. Ensuite, c'est via la plateforme Parcoursup que vous aurez les réponses à vos questions que vous pouvez poser par mail ou également par téléphone. Et vous verrez qu'ils sont extrêmement réactifs à partir du 18 janvier. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les appeler ou à leur envoyer un mail à partir de votre compte Parcoursup et vous aurez toujours des réponses très précises qui vous seront données par les équipes qui s'en occupent. Enfin, c'est un dossier qui analyse évidemment, c'est une plateforme qui va permettre donc l'analyse de votre dossier de candidature et que votre dossier est bien complet par rapport aux attendus de l'école. Et également, si vous êtes boursier, ce qui vous permettra de savoir si vous devez payer des frais d'inscription ou pas, notamment pour vous inscrire au concours à toutes les formations qui demandent des frais d'inscription pour qu'on étudie votre dossier de candidature. À qui donc s'adresse Parcoursup ? À tous les élèves de terminale qui sont scolarisés dans les lycées français, en France ou à l'étranger, mais également aux élèves de terminale français qui seraient scolarisés à l'étranger. C'est également une plateforme qui s'adresse à tous les bacheliers qui ont bac l'année dernière, qui sont peut-être partis faire une année d'études ou une année de césure ailleurs, mais qui finalement veulent recandidater ou candidater cette année via Parcoursup, c'est-à-dire toute personne qui souhaite faire des études post-bac, niveau première année après le bac. Donc, tous les étudiants également en réorientation qui se seraient trompés de voie l'année dernière. Donc, je ne rentre pas dans le détail du reste. Donc, bref, toute personne qui veut faire des études post-bac dans un établissement qui passe par cette plateforme, doit passer par Parcoursup pour faire ses candidatures. Je ne rentre pas dans le détail du reste que vous pouvez retrouver si vous êtes concerné sur Internet, évidemment. Que trouve-t-on sur Parcoursup ? On trouve donc la plupart des formations post-bac publiques et privées reconnues par l'État français. Je dis la plupart parce qu'il y a quand même quelques exceptions. Alors, cette liste est très longue. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout. Sachez que donc tout ce qui est BTS, BUT, donc qui sont des diplômes qui sont délivrés par le ministère de l'Éducation nationale
de l'enseignement supérieur donc, peuvent ou doivent passer par Parcoursup, il existe encore certaines écoles privées qui délivrent des BTS et qui ne passent pas forcément par la plateforme. En tout cas, c'était le cas jusqu'à l'année dernière. Je pense que cette année, la plupart, voire la quasi-totalité, passent par la plateforme. Bon, les BPJEPS, on est dans le domaine du sport. Les CPES, ce sont des cycles un peu particuliers, notamment réservés aux étudiants ou en tout cas pour lesquels les études sont prioritaires. Les cycles pluridisciplinaires d'études supérieures, qui sont aussi des formations très particulières, notamment à Paris. Les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont une des voies d'accès pour rentrer en école de commerce, bien évidemment. Il existe aussi le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, dont une filière est réservée aux étudiants qui veulent aller vers les études commerciales ou de sciences politiques, et donc qui se préparent dans les universités. Diplôme un petit peu parallèle qui peut intéresser des candidats aux écoles de commerce qui sont les diplômes de comptabilité et de gestion pour devenir comptable, éventuellement vers l'expertise comptable ensuite. Puis tout le reste ne vous concerne pas. Première année de licence, pourquoi pas? C'est une autre façon de faire et vous pouvez très bien commencer une première année de licence ou deuxième, troisième année de licence d'économie ou de gestion et ensuite décider de réintégrer, poursuivre vos études en école de commerce. Et puis le reste des formations ne concerne pas forcément les étudiants de ce webinaire aujourd'hui, sauf la ligne que j'ai mise en gras, évidemment. Donc les bachelors, diplôme en 3 ans, les BBA, diplôme en 4 ans, ou les programmes grande école d'école de commerce, diplôme en 5 ans, qui, pour la plupart, donc passent par cette plateforme pour sélectionner leurs candidats. Qu'est-ce qui n'est pas accessible via Parcoursup? Donc, comme je vous le disais, certains BTS d'écoles privées, certaines classes de mise à niveau, des classes préparatoires privées hors contrat, et puis certaines formations, donc d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce également. Tous les bachelors ne sont pas accessibles via Parcoursup et d'autres écoles qui sont dans d'autres domaines, comme vous le pouvez le voir sur ce slide. Que fait-on dans ce cas? Comme je l'ai indiqué en bas, on s'adresse directement aux établissements pour candidater. On ne passe pas par la plateforme Parcoursup. Nous allons donc faire un zoom sur les études de commerce. J'ai volontairement dit les études de commerce parce qu'il n'y a pas que les écoles de commerce pour faire des études de commerce. Hein, donc, on va parler des deux vite fait pour de manière à ce que justement vous rendiez compte que vous allez pouvoir faire un maximum de vœux dans Parcoursup et que finalement, vous allez pouvoir panacher vos vœux de manière à optimiser vos chances de réussite pour être sûr d'être pris quelque part puisque c'est évidemment l'objectif. Donc, vous avez tout ce qui est diplôme du ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, donc les BTS, les BUT, les licences, donc BTS, MCO, Management Commercial Opérationnel pour se former plutôt à la vente en magasin et à la compréhension du fonctionnement d'un magasin. NDRC, négociation, digitalisation, relations clients. Là, plutôt pour apprendre le métier de commercial et plus sur de la négociation commerciale. Le BTS immobilier, évidemment spécialisé dans ce secteur-là, qui délivre notamment la carte d'agent immobilier. Vous avez également le BTS conseil et commercialisation de services techniques pour des élèves qui seraient plus intéressés par la vente de produits un peu techniques, notamment dans le domaine de l'industrie, ce qu'on appelle les technico-commerciaux. Ensuite, à l'université, donc dans les instituts universitaires technologiques, les IUT, le BUT, on va avoir 3 BUT, le BUT technique de commercialisation, plutôt tourné vers l'extérieur de l'entreprise, donc vers la relation client, la vente, le marketing. Le commercial, plus tourné vers les fonctions internes de l'entreprise, gestion des moyens, gestion des hommes, gestion des ressources humaines, gestion des finances, de la comptabilité. C'est la gestion des entreprises et des administrations. La gestion administrative et commerciale est un peu à la croisée des chemins entre les deux. C'est-à-dire pour quelqu'un qui voudrait travailler dans un service commercial, notamment à tout ce qui est ce qu'on va appeler l'administration des ventes, en relation avec les clients, mais sans forcément faire de la vente. GEA, donc j'en avais parlé juste avant, excusez-moi. Et puis ensuite, vous avez les licences d'économie et mathématiques,
très tournée vers l'économétrie, très tournée vers les modèles mathématiques pour faire des prévisions économiques. Les licences de gestion qui se font dans les instituts d'administration des entreprises, communément appelées également écoles de management universitaire, là où on va être plus tourné dans un premier temps vers la... et puis qui offre ensuite des poursuites d'études plus ouvertes sur le marketing, les relations, les ressources humaines, etc. Et puis enfin, notamment à Paris, à Dauphine, des licences en sciences des organisations assez pluridisciplinaires. Faisons un zoom maintenant sur donc, les diplômes d'école de commerce. Je précise, celles qui sont donc accessibles sur Parcoursup, il y en existe aussi hors Parcoursup. Donc, nous allons trouver donc, des concours d'école qui vont permettre des grandes écoles de commerce, comme notamment Excelia, mais aussi l'IESEG, l'ESCA, TBS, l'école 3A, l'école etc., qui vont vous intégrer ces écoles donc sur des concours communs qui permettent d'intégrer ou des concours unicoles. Donc, soit qui vont vous permettre d'intégrer une seule école, c'est le cas ou de 3A, ou plusieurs écoles, c'est le cas notamment de concours comme les concours communs Écricom ou le concours des EGC que vous voyez en dessous. Donc, ça pour entrer dans un diplôme en 3 ans, donc on appelle un bachelor. Donc, il va vous délivrer un bac plus 3. Deuxième type de diplôme accessible via Parcoursup, hein, en tout cas dans lequel on va candidater sur Parcoursup, les BBA, les Bachelor of Business Administration, qui sont donc calé-saxons, qui sont très tournés vers l'internet, qui vous permettent d'avoir une création pendant votre cursus, diplôme en 4 ans en France, enfin, le modèle français, donc du coup, du BBA est sur un diplôme en 4 ans. Et donc, vous avez donc le concours Sésame, notamment, qui va vous permettre d'accéder à 8 écoles en BBA, donc 8 programmes BBA, dont celui d'Excelia. Vous avez le concours PASS, qui, cette année, vous propose donc d'accéder au BBA de l'INSEC et également des concours d'autres écoles sorties du concours PASS dans lequel dernière et donc cette année ce sont bien 2 candidatures différentes. Et puis vous avez une troisième possibilité d'intégrer une école de commerce via Parcoursup, c'est ce qu'on appelle le programme Grande École. Donc là on est sur du bac plus 5, diplôme en 5 ans. Des concours d'école qui visent une seule école. Alors, je dis concours, mais il n'y a pas forcément d'épreuve écrite. Hein. Ça peut être uniquement une étude de dossier et un entretien. Donc, c'est l'IA, mais vous avez donc tout un tas d'autres écoles que j'ai listées ici. Vous avez également le concours Access, l'accès à 3 grandes écoles supérieures de commerce. Et puis, le concours Sésame, donc pour les autres écoles ou autres programmes. Donc, c'est un même concours. Soit au BBA en 4 ans, soit à des programmes grande école en 5 ans. Ce ne sont pas les mêmes programmes. Alors, nous allons rentrer justement dans le détail des profils. Finalement, quel profil pour intégrer une école de commerce ? J'ai essayé de lister ici tout ce qui me semble important pour vous, comment dire, pour vous mettre en valeur. Hein, pour mettre en valeur votre candidature, mais avant toute chose, pour être sûr que vous faites le bon choix, que ce type d'étude correspond bien à votre profil. Il y a quand même, je dirais, un minimum de critères à respecter, c'est déjà être intéressé par le monde de l'entreprise, puisque bien évidemment, si on rentre dans une école de commerce, c'est pour apprendre comment fonctionne une entreprise et pour apprendre à gérer, voire à créer une entreprise. Donc, ça me semble être le B.A.B. Ensuite, de manière plus globale, s'intéresser à l'économie, c'est-à-dire au monde dans lequel nous vivons, dans lequel cette entreprise va vivre. Elle ne vit pas en autarcie. Donc, avoir un intérêt aussi un fondamental. S'intéresser également à la gestion, c'est-à-dire comment est-ce que je vais gérer cette entreprise, je vais gérer les hommes, je vais gérer les comptes, je vais gérer
matériels, les moyens de l'entreprise. Donc, s'intéresser plus large aussi à l'actualité politique, environnementale, sociale, puisqu'évidemment, tous ces éléments-là vont influencer, vont jouer sur la vie de l'entreprise. S'intéresser à l'humain. Ça paraît évident, mais encore faut-il le redire. Une entreprise ne vit pas sans les équipes qui la composent. Je pense que ça fait partie des fondamentaux et justement sur lesquels je pense qu'Excellia va mettre un point d'honneur à agir particulièrement. On verra après. Être un peu intéressé aussi par tout ce qui est stratégie, hein, parce qu'on ne dirige pas et on ne crée pas et on ne fait pas vivre une entreprise sans avoir une vision à long terme, à moyen terme, puis à court terme. Évidemment, l'idée de savoir mener ou mettre en œuvre une stratégie est importante. Et puis, l'organisation de manière générale. Donc, je vous ai listé sur le schéma de gauche quelques points saillants que vous pourriez faire ressortir dans vos lettres de motivation. Tout le côté dynamisme, tout le côté sociabilité, la curiosité, mais aussi le pragmatisme. Je pense que ce que l'on apprend particulièrement en école de commerce et ce qui va faire la grosse différence avec des études universitaires, c'est ce côté très pragmatique, très concret, très opérationnel. Donc, on va travailler sur beaucoup de cas concrets. Il va y avoir les stages, évidemment, qui vont nous permettre de mettre en pratique ce que l'on apprend en cours, mais aussi d'expérimenter, d'apprendre grâce au terrain. Des missions également qui peuvent être confiées en plus des stages tout au long du cursus des études. Une vie associative très riche, qui fait partie, je dirais, du cursus intégrant des études de commerce, dans lesquelles on apprend énormément, notamment grâce au bureau des élèves, mais aussi aux juniors entreprises et à tout autre type d'association qui existe déjà ou que vous pourrez être amené à créer au cours de votre vie d'étudiant en école de commerce. De nombreux travaux de groupe, bien évidemment, qui vont être proposés par les enseignants, par les professeurs, pour apprendre à travailler en équipe, puisqu'ensuite, en entreprise, c'est ce qui vous attend la plupart du temps. On travaille rarement tout seul dans son coin tout au long de sa vie. Un petit zoom sur Excellia, donc les profils. Les valeurs d'une école sont invitées systématiquement avant de candidater à aller vérifier quelles sont les valeurs par l'école. Celles d'Excellia sont notamment des valeurs d'humanisme, de responsabilité, d'engagement et de RSE, très tournées vers la responsabilité sociale et environnementale. On pourra en parler juste après. Les spécialités, peu importe. Dites-vous bien qu'avec la réforme du bac, on vous a demandé donc de faire un choix de spécialité en fin de seconde, puis en fin de première d'en abandonner une. Avec Excellia, l'école est très ouverte donc sur tous les profils. Ce qui les intéresse, ça va être avant tout justement un profil humain et le fait que vous partagiez les mêmes valeurs avec eux. Après, l'école fait le reste. Hein, elle est là pour vous apprendre. Donc, même si vous n'avez pas fait forcément des spécialités qui vous semblaient les plus adaptées pour faire une école de commerce, si ça correspond vraiment à votre projet professionnel et à vos valeurs, allez-y, tentez votre chance, vous ne serez pas écarté. Donc évidemment, il faut que votre projet professionnel soit cohérent et soit en phase, hein, donc avec tout ce qu'on va vous apprendre, c'est-à-dire avec le côté marketing, finance, achat, mais aussi supply chain, tout ce qui est la chaîne logistique. Pourquoi pas, si vous avez la volonté de travailler dans le secteur humanitaire et évidemment à l'international, notamment pour la formation BBA, mais aussi pour les deux autres diplômes. Et avant toute chose, c'est un état d'esprit. Hein. C'est pour intégrer une école comme Excellia, je pense qu'il faut être très ouvert, savoir faire preuve d'audace, vous allez apprendre à le faire sur le terrain et avoir un esprit d'entreprise, ne pas attendre qu'on vous apporte tout sur un plateau et être de simples exécutants. Ce n'est pas le but et évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on s'éclate en école de commerce et que l'on réussit. Donc, ceci étant dit, je vous propose que l'on passe au témoignage, justement, donc de Candice, de sa maman, et également que vous ayez quelques explications d'accord, Sésame. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci Laure. Bonjour Candice. Bonjour Madame. Donc je me permets de vous donner la parole pour témoigner auprès des spectateurs sur la procédure Parcoursup. Comment cela s'est passé l'année dernière pour intégrer le BBA international?
Déjà, merci et bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, du coup, donc sur Parcoursup, j'ai rentré le vœu du concours Sésame, donc pour intégrer le BBA. Et donc, le concours Sésame, ça me permettait de rentrer un seul vœu sur Parcoursup, tout en pouvant candidater à plusieurs écoles. Donc, ça permettait quand même d'avoir plusieurs chances, de multiplier les chances. Après, même si, oui, on peut s'inscrire à plusieurs écoles, je pense que c'est quand même important de choisir des écoles qui nous plaisent vraiment et de ne pas juste, on va dire, faire de la quantité. Parce que, du coup, comme on me disait un petit peu plus tôt, les valeurs de l'école, c'est important pour être sûr qu'on s'y sente bien. Et après, comme je savais que je voulais faire école de commerce, donc j'ai fait le concours Sésame. Et après, on a vu, il y a aussi d'autres moyens de rentrer en école de commerce. Donc, par exemple, je m'étais aussi inscrite en prépa, donc des prépas plutôt en région parisienne, donc économique, et aussi quelques licences. Alors, et pour vous, madame, comment s'est passé l'accompagnement sur Parcoursup et l'appréhension aussi des résultats qui sont délivrés début juin? Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. En fait, je pense qu'il faut vraiment que le projet soit vraiment bien réfléchi. Donc, ne pas hésiter à en parler avec les parents, même avec les professeurs. Je pense que avec les lycées, normalement, les professeurs principaux, vous pouvez aussi vous tourner vers les professeurs principaux, les conseillères d'orientation. Mais je pense que vraiment, là, comme disait ma fille, il faut aller sur chaque fiche d'école et vraiment voir, parce que toutes les écoles, même un BBA, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, moi, elle avait fait aussi bien Excelia et d'autres écoles. Oui, ça s'appelle BBA, mais en détail, il y a des choses qui changent. Donc, vraiment, il faut vraiment que l'enfant, enfin l'élève, disons l'étudiant, se projette en fait dans cette école. Pas dire, cette école, elle est première ou deuxième dans le classement, donc je veux y aller. Enfin, si ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, donc bien réfléchir. Je pense que c'est important aussi de bien rédiger sa lettre, parce qu'on demande des lettres de motivation. Donc, pareil que l'étudiant se pose bien et puis fasse plutôt des phrases courtes pour vraiment bien, un petit peu quoi, comme des checklists, pas faire des grandes phrases parce qu'on va se perdre dedans. Et puis après, une fois qu'on a cliqué, si j'ose dire, après, essayer de se déstresser jusqu'à, déjà, un, le concours, et deux, par exemple, si vous passez pas le concours, et puis sur les résultats, vous cliquez, je crois, définitivement, si je me souviens bien, vers le mois de mars, mars-avril, c'est vrai qu'après, il y a encore deux mois, il faut essayer de se dire, bon, allez, maintenant, je pense à autre chose. De toute façon, c'est qu'au mois de juin. Par contre, moi, je voulais juste ajouter, par exemple, pour le concours Sésame, ce qu'a fait ma fille, dès l'instant où vous êtes inscrit, donc c'est un vœu et vous mettez les écoles en sous-vœux, dès l'instant où vous êtes inscrit, vous allez payer, parce que c'est quand même un concours payant, vous avez accès à une plateforme pour vous entraîner. Et ça, franchement, faites-le. Moi, Candice, c'est vraiment entraîné en conditions réelles parce qu'il y a des épreuves de 2 heures, il y a des épreuves d'une heure, un petit peu surtout, il y a de l'économie, il y a des langues, il y a de la culture générale. Mais ça, je pense que pour l'étudiant, c'est très important vraiment de s'entraîner en conditions réelles parce que, après, c'est quand même plus facile, si j'ose dire. Alors, cette année, par contre, je ne sais pas si le concours sera en présentiel ou en virtuel. Nous, l'année dernière, c'était encore en virtuel. C'est une très belle transition, effectivement, pour présenter le concours Sésame. Donc, le concours Sésame, aujourd'hui, donc, c'est 14 écoles de grandes écoles. C'est des grandes écoles de management international. C'est 17 programmes. Les épreuves seront digitalisées. Donc, elles sont maintenues en ligne. Donc, c'est le mercredi 12 avril pour les élèves de terminale. Donc, il faut vous inscrire à partir du 18 janvier en ligne et choisir effectivement sur Parcoursup. C'est un vœu. Et vous avez également les sous-vœux qui sont les écoles. Au niveau des épreuves écrites, c'est sous forme de QCM. Vous avez un QCM de logique générale, numérique et verbale qui fait partie de l'épreuve de raisonnement et compétences. On a également une épreuve d'enjeux contemporains. C'est une épreuve d'actualité. Ensuite, il y a également l'analyse documentaire, analyse et synthèse, et enfin les épreuves de langue, LV1 et LV2 au choix. Donc, après les épreuves écrites, chacune des écoles fixe une barre d'admissibilité pour ensuite passer un entretien dans les écoles. Donc, je vais repasser la parole à Candice afin qu'elle puisse nous expliquer comment se sont passés tes oraux à Excelia, Candice.
Donc déjà, pour moi, les oraux, c'est une partie très importante parce que on peut être très, très bien renseigné oui. sur l'école, mais quand on va y aller, c'est là qu'on va voir, on peut avoir déjà fait les portes ouvertes, mais on va vraiment voir l'établissement, le campus. On rencontre aussi des élèves qui sont là pour oui. nous accueillir. Et du coup, il y a tout un comité d'intégration. Et donc, moi, du coup, ça s'est très bien passé. Alors, en plus, je suis allée sur La Rochelle, donc vraiment juste pour mes oraux. Donc déjà, on est très bien accueillis. On s'est retrouvés donc tous ensemble. On a eu donc une présentation de l'école. Donc, encore une fois, une présentation du programme pour lequel on candidatait et aussi des valeurs de l'école, des événements. On parlait de la vie associative. Donc, voilà, tout de suite, on nous présente les événements majeurs de l'année. Donc, en fait, ce n'est pas que le côté scolaire, on a des côtés associatifs et tout ce qui est à côté. Et après, donc, forcément, il faut attendre son moment de passage. Donc ça peut être un petit peu stressant. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a d'autres étudiants qui sont là, donc soit pour nous donner des conseils ou aussi pour nous parler simplement de leur vie quotidienne, des différentes missions qu'ils ont déjà faites, des différents stages. Et on peut rencontrer aussi des étudiants qui sont dans d'autres programmes que celui pour lequel on postule. Mais après, on se retrouve quand même tous dans la même école. Donc, moi, j'en retiens que c'est quand même un moment de convivialité très sympathique. Et voilà, il faut profiter du fait que les étudiants soient à notre disposition, en quelque sorte, pour répondre à toutes nos questions, si on en a encore. Et puis après, on passe les entretiens. Et pour moi, pour les entretiens, ce qui est vraiment important, c'est de s'être renseigné sur l'école, parce que montrer que voilà, on est intéressé, c'est un minimum de savoir exactement ce qu'est le parcours, ce qu'offre l'école, et montrer qu'on est motivé et surtout rester soi-même. On le dit beaucoup, mais c'est vraiment important parce que déjà, sinon, on se fabrique un profil parfait, ça se trouve, l'école ne nous correspond pas et du coup, le choix sera biaisé. Donc, vraiment rester soi-même et parler de son projet professionnel si on en a déjà, si on n'en a pas, c'est pas grave du tout. Parler de ce qui nous intéresse, tout. Alors, est-ce que vous aviez eu l'occasion d'assister aux journées portes ouvertes pour Excelia? Alors, non, parce que du fait que mon programme BBA, il était donc à La Rochelle. Et donc, étant en région parisienne, c'était un petit peu compliqué d'y aller juste pour les portes ouvertes. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir le campus, aussi pour les autres écoles pour lesquelles j'ai postulé. Donc, c'était intéressant. Et on peut déjà se projeter un petit peu, voir si c'est grand, si on se sent à l'aise, si on peut déjà un peu se repérer. Donc, franchement, c'est important. Très bien. Alors, sachez qu'on fait des journées portes ouvertes en ligne. Donc les élèves de première et de terminale, vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas venir nous rencontrer, donc je rappelle les dates pour la journée porte ouverte à Paris-Orléans, c'est le samedi 21 janvier. Et pour tous les autres campus, on a une date unique, le 4 mars, et toutes nos journées portes ouvertes sont possibles en ligne. Donc vous pouvez très bien les suivre en ligne. Alors, quels sont vos conseils maintenant pour les futurs candidats à Excelia? En tant que parent et candidat. Oui, moi, je voulais juste ajouter, en fait, qu'à Excelia, avant son oral, en fait, elle avait eu la possibilité d'être en ligne et de un petit peu simuler un entretien, en fait. Donc ça, Excelia propose un entraînement de simulation. Je pense que c'est important aussi de le faire parce que ça peut rassurer aussi l'étudiant et la personne avec qui elle a fait l'entretien. Peut donner aussi des conseils parler moins vite, des choses comme ça. Donc si c'est cette proposition est très très bien, voilà. Et juste, je fais juste une petite pub, mais elle vous disait que vous étiez accueillie par les étudiants pour les oraux et tout, en fait, Candice cette année accueillera les étudiants sur le site de La Rochelle pour les oraux. Voilà. Avec plaisir. Donc, vous allez pouvoir revoir Candice lors des passages de vos oraux sur le campus de La Rochelle. Du coup, oui, moi, ce que je vais donner comme conseil, donc pour Parcoursup en général, c'est, certes, on disait c'est chronophage, mais vraiment beaucoup se renseigner. Donc, il y a déjà les fiches qui sont de toutes les écoles qui sont disponibles sur Parcoursup. Et après, pas hésiter à aller vraiment sur les sites des écoles. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui proposent, par exemple, des vidéos témoignages des étudiants.
C'est vraiment une source d'informations énorme. Et ça permet aussi, je trouve, de se rassurer, de savoir exactement les cours qu'on aura en première année, en deuxième année. Et après, une fois qu'on a choisi son école, donc là, pour le concours Sésame, comme ma maman le disait plus tôt, la plateforme à laquelle on a accès pour se préparer et pour faire des entraînements, vraiment, c'est très utile et très rassurant aussi. Ça ne prend pas spécialement beaucoup de temps. On peut en faire un petit peu tous les jours, tous les deux jours, mais ça permet de voir à quoi ressemblent les questions. C'est aussi, comprendre comment ça marche, notamment pour les épreuves de logique. C'est avoir le déclic, comprendre ce qu'attend la plateforme de nous. Et après, une fois qu'on est admis, savoir se présenter, préparer un petit texte, même si l'idée, c'est pas du tout de réciter, mais se dire en premier, je vais parler de mes spécialités, pourquoi je les ai choisies. Ensuite, je vais parler, par exemple, je fais partie d'une association, ça, faut le mettre en avant. Enfin, n'importe quel engagement, faut le mettre en avant. Si on a un projet professionnel, en parler. Et surtout, pour moi, ce qui est important lors des entretiens de motivation, c'est de dire pourquoi cette école, en fait, parce qu'on a vu avec le concours Sésame, on peut postuler à plusieurs écoles. Et donc, souvent, les écoles apprécient qu'on montre qu'on s'y est intéressé et qu'on se projette vraiment dans cette école, dans ce programme. Donc voilà, c'est pour moi beaucoup de recherche d'informations et après juste présenter tout ce qu'on peut présenter sur nous, sur nos envies, nos passe-temps aussi. S'il y en a qui font du sport, le sport, ça peut montrer qu'on sait travailler et jouer en équipe. Enfin, tout est vraiment bon à dire et il ne faut pas hésiter à parler de plein de choses et de ce qui nous intéresse. Merci Candice. Et le jour des résultats, le 1er juin, comment tu as pu, quels étaient les critères pour finalement choisir Excellia? Alors, ça a été, honnêtement, ça a été un coup de cœur quand j'ai découvert l'école, sur le site avec les programmes, parce que moi, vraiment, personnellement, ce qui m'intéresse dans le BBA, c'est un parcours très spécifique qui est le double diplôme franco-allemand. Et ça, je ne le retrouvais pas dans les autres écoles, pas autant mis en avant. Donc, rapidement, sur mes 4 ans, en fait, je vais partir 2 ans en Allemagne, donc en expatriation universitaire et en stage. Et donc vraiment ça m'avait fait, j'avais eu un coup de cœur sur l'école pour ce programme. Et quand je suis allée sur le campus, en découvrant donc vraiment l'engagement de l'école, ses valeurs, et en parlant avec les étudiants, j'étais confortée dans mon choix. Donc honnêtement, c'était un jeudi, je crois, les résultats. Alors bon, la plateforme bug un petit peu pour les résultats, mais je me souviens que dès le vendredi matin, j'avais accepté Excellia et j'avais laissé tous mes autres vœux, laissé les places pour tous les autres vœux. Donc, sur ça, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Je savais déjà à quelle école je voulais. Très bien. Merci pour ce témoignage. Donc, je voudrais passer la parole à Laure pour comment s'y prendre et quelle est la procédure sur Parcoursup pour optimiser son profil et avoir tous ses vœux à la fin aussi. Oui, voilà, on va rentrer dans le temps dur. Je vous partage mon écran. On est bon? Alors, donc comment s'y prendre effectivement? La procédure, qui fait quoi? Alors déjà, qui fait quoi? Il n'y a pas que vous qui travaillez en fait. Donc vous, évidemment, on va voir ce que vous devez faire pour déposer vos candidatures sur Parcoursup. Le lycée aussi, puisque le lycée intervient dans votre dossier de candidature. Et puis ensuite, que font les écoles et l'université, en tout cas dans lesquelles vous postulez, et quel est le rôle du rectorat? En ce qui vous concerne, le premier travail à faire, c'est celui que vous êtes en train de faire, c'est le travail de réflexion. Donc là, on est bien en amont, c'est le travail de réflexion sur votre projet, c'est le fait d'aller assister à des journées portes ouvertes, virtuelles ou physiques, comme on vient d'en parler, mais aussi d'aller sur des salons. Tous les salons d'études supérieures qui existent sont bons à prendre, alors à condition évidemment que les exposants qui sont présents sur ces salons vous intéressent, mais il y a également des conférences auxquelles vous pouvez assister. Et puis, il y a également donc, des possibilités de faire des immersions, parfois dans des écoles ou dans certains cours ou des cours qui sont donnés spécifiquement pour vous rendiez compte de ce que propose l'école. Deuxième étape en ce qui vous concerne, ça va être la sélection des vœux. Donc, on va voir le calendrier après. Qu'est-ce que ça veut dire sélectionner des vœux? Ça veut dire choisir les 10 candidatures que vous allez faire.
Donc, le vœu sésame, par exemple, c'est un vœu pour lequel vous avez la possibilité de candidater à tous les programmes proposés par donc les 17 ou 19 programmes, là, du coup, j'ai un trop. Donc, ce choix des vœux est évidemment fondamental puisque c'est là que vous allez atterrir à la fin. Ensuite, la rédaction des dossiers de candidature. Une fois que vos vœux sont faits, eh bien, il va falloir passer à la rédaction de vos lettres de motivation qu'on appelle les projets de formation motivés dans Parcoursup. Donc, ce sont des mini-lettres de motivation qui sont limitées à 1500 caractères, espace compris. Donc, vous verrez que c'est quand même très court, 1500 caractères. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut être à la fois très précis et très concis. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut dire un maximum de choses intéressantes, mais dans un minimum de mots possibles en réalité. Donc, d'ailleurs, Candice parlait tout à l'heure, ou sa maman également. Dans le dossier de candidature, il va y avoir aussi la partie présentation de vos activités extrascolaires. Donc, dans la rubrique activités et centres d'intérêt, vous avez l'opportunité d'expliquer, de rédiger tout ce que vous avez fait en dehors du lycée. Donc, que ce soit des activités sportives, artistiques, des séjours, une implication dans les civiques, citoyennes, des expériences d'encadrement, si vous avez animé des jeunes dans un club de sport, passé le BAFA, si vous êtes arbitre dans votre fédération. Toutes ces actions-là vont pouvoir être mises en valeur grâce à cette partie du dossier de candidature qui est optionnelle. Mais pour moi, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument l'utiliser pour parler de vous. Et du coup, ça va vous permettre justement dans votre lettre de motivation de ne pas avoir besoin de tout dire puisque vous ne pouvez pas tout dire dans cette lettre qui est si courte et de réserver donc la lettre de motivation à vos motivations pour la formation en question, pour le diplôme en question, parce que vous avez tel projet professionnel et que vous avez des atouts pour réussir. Et vous allez dire vos qualités personnelles, en fait, vos traits de caractère, de personnalité, peut-être sur votre façon de travailler, qui vont vous permettre de réussir dans ces études-là. Dans la lettre de motivation, vous n'avez pas le temps de parler de tout le reste, c'est trop court. Donc, utilisez la rubrique activité et centre d'intérêt pour bien mettre en valeur tout ce que vous avez fait en dehors du lycée, de l'école, et tout ce que cela vous a apporté. Allez dans le fond, dans l'analyse de ce que vous avez fait. Ensuite, quatrième phase, vous aurez peut-être donc à passer des épreuves écrites ou, il manque un S à écrite, et ou orales. Donc, pour certaines formations, il y a des QCM ou il y a des épreuves rédactionnelles. Et puis, autre, pour les mêmes, il peut y avoir aussi un entretien de motivation, comme on vient de le voir, et souvent également un entretien en langue anglaise, notamment. En tout cas, une épreuve de langue. Ensuite, votre travail à vous, ce sera aussi de répondre aux propositions d'admission, puisqu'on va le voir avec le calendrier. Donc, à partir du 1er juin, vous commencerez à avoir des réponses. Et ça va s'étaler sur toute une période. Et vous aurez un délai à respecter pour répondre aux propositions d'admission, puisque pour que le système fonctionne, il va falloir absolument dire si vous voulez ou vous ne voulez pas de la proposition d'admission. Et si vous n'en voulez pas, vous allez le dire. Comme ça va permettre à ceux qui sont situés après vous sur la liste et peut-être sur liste d'attente, de remonter. Et donc, à leur tour, on leur fera une proposition d'admission. Et enfin, dernière phase, il faudra penser à vous inscrire. Ce n'est pas parce que vous avez accepté définitivement une proposition d'admission via la plateforme Parcoursup que le travail est terminé. Non, il faudra évidemment ensuite suivre les instructions que vous auront données les écoles pour aller concrètement vous inscrire dans l'établissement. Et ça Parcoursup, là, on sort du système. Le lycée, que fait-il de son côté? C'est lui qui va faire remonter vos bulletins scolaires. Donc, de première et de terminale jusqu'au deuxième trimestre de terminale. Donc, tous les bulletins de première et les deux premiers de terminale. Donc, à la fois vos notes qui sont situées présentes sur vos bulletins, mais également les commentaires des professeurs. C'est également le lycée qui va saisir vos notes du bac, c'est-à-dire sur toutes les épreuves que vous avez déjà passées, donc bac français, écrit, oral, mais également toutes les notes anticipées de contrôle continu de l'année dernière. Et des épreuves de spécialité que vous allez passer en mars,
s'ils ont bien le temps de les corriger, ce qui est prévu. Et enfin, la rédaction de la fiche à venir. Donc, cette fiche à venir qui est une fiche que vous ne voyez pas dans un premier temps, que vous n'aurez la possibilité de voir qu'après les réponses, donc à partir du mois de juin. Donc, dans cette fiche à venir, le chef d'établissement et le professeur principal, sur avis du conseil de classe, vont exprimer donc quelles sont les compétences que vous avez acquises, quel est votre rang dans votre groupe classe, c'est-à-dire par rapport au nombre d'élèves qui font les mêmes spécialités que vous, ou la même spécialité que vous, puisque ça va être par matière, mais qui va pouvoir exprimer sur cette fiche à venir également le niveau de la classe. Si vous êtes dans une très bonne classe par rapport aux autres classes du lycée, ce sera exprimé. Si c'est dans une classe de niveau moyen, ce sera exprimé. Ou une classe qui a un niveau faible, ce sera exprimé également. Ce qui va permettre aux établissements de relativiser vos propres résultats par rapport au reste du groupe, au reste de la classe. Et enfin, très important, ils vont émettre un avis sur l'élève, un avis général rédigé, hein, une phrase qui va dire quelque chose sur vous et sur vos vœux. Donc, émettre un avis favorable ou défavorable par rapport aux vœux que vous avez exprimés. Donc, vous comprenez bien qu'il va de soi qu'il faut que cet avis soit favorable. Sinon, les établissements n'ont aucun intérêt à étudier votre dossier de candidature, en tout cas quand c'est une candidature sur dossier. D'où l'importance pour vous, lycéens, de communiquer avec votre professeur principal si ce n'est pas organisé dans le lycée, si vous avez un doute sur le fait qu'on vous suive bien dans votre que vous ayez des avis favorables dans votre fiche à venir, il faut absolument que vous en parliez, que vous preniez le temps d'en parler avec votre professeur et que vous validiez avec lui que vous aurez son soutien. De leur côté, que font les écoles et les universités de votre dossier ? Donc, comme je vous le disais en préambule, elles personnalisent l'algorithme de Parcoursup, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer leurs propres critères. Dans ces critères, il y a des critères chiffrés, éventuellement de notes, de minimum requis dans certaines matières, mais ils utilisent aujourd'hui également l'intelligence artificielle par des recherches de mots-clés. Ils vont pouvoir automatiser un certain nombre de critères de sélection. J'en ai discuté par exemple avec un établissement qui me disait qu'ils éliminaient systématiquement tous les bulletins scolaires dans lesquels figurait le mot « perturbe la classe » ou « bavardage » ou voilà, des problèmes de comportement. Donc ça peut être automatisé. Aujourd'hui, on sait faire hein, avec les technologies et l'informatique. Dans un deuxième temps, là, on va passer vraiment à une étude beaucoup plus personnalisée du dossier dans laquelle on va rentrer dans le détail peut-être des notes, et l'étude éventuelle de tout autre document qui pourrait être demandé puisque certaines formations vont vous demander en plus de téléverser dans la plateforme Parcoursup des justificatifs de niveau de langue ou un book quand on candidate par exemple dans des écoles d'art. Ensuite, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui vont vous envoyer la convocation aux épreuves écrites et ou orales. Donc, vous recevrez cette convocation via la plateforme. Pour l'écrit, évidemment, vous ne choisissez pas la date, vous vous en doutez. Pour l'oral, en général, on vous demande de vous positionner sur différents créneaux qui vous sont proposés, ce qui vous permettra de passer, évidemment, plusieurs oraux dans différentes écoles et que vous ne soyez pas convoqué systématiquement le même jour et à la même heure. Enfin, ce sont eux qui vont évidemment corriger les épreuves que vous allez passer en ligne, notamment pour le concours Sésame. Et évidemment, dernière étape, ils vont publier les résultats avec 4 types de réponses possibles. Donc, soit on vous admet directement et on va vous dire bah, « oui, on vous fait une proposition d'admission », soit on vous refuse directement, vous ne répondez pas aux critères requis, donc vous êtes éliminé, on n'en parle plus. Pour les licences, il peut y avoir un « oui, si », c'est-à-dire un « oui, on vous accepte », mais à condition, par exemple, que vous fassiez une remise à niveau dans telle matière parce que ce que vous avez fait au lycée ne correspond pas du tout aux attendus de l'université. Et comme l'université n'a pas le droit sur des filières ne vous refuser l'accès, elle va vous mettre une condition. Et enfin, vous pouvez être sur liste d'attente, que ce soit après un concours ou que ce soit après une étude de dossier. On peut considérer que « oui », on estime que vous avez le profil pour intégrer notre école, mais vous n'êtes pas arrivé suffisamment bien classé quand on a classé tous les étudiants, tous les lycéens.
ou les candidats en tout cas. Donc, ben, finalement, pour l'instant, on vous met sur liste d'attente et on vous prendra sous réserve que d'autres places. D'où l'importance, évidemment, de répondre aux propositions pour libérer les places. C'est ce qu'a fait Candice tout à l'heure, ce qu'elle disait. Elle a tout de suite répondu oui avec Célia, ce qui a permis, évidemment, de libérer sa place dans les autres formations qu'il aurait éventuellement prises. Que fait le rectorat, puisque ce sont les rectorats qui gèrent Parcoursup, hein. Donc, le rectorat intervient pour certains éléments très précis. D'abord, pour faire respecter le pourcentage d'étudiants boursiers qui est prévu par formation. Il y a des formations dans lesquelles il y a une obligation d'avoir un certain pourcentage d'étudiants boursiers. Donc, dans ce cas-là, c'est le rectorat qui va faire passer les dossiers des étudiants boursiers, qui va les intercaler pour être sûr que le quota soit respecté. Deuxièmement, le rectorat vérifie que les procédures, évidemment, on n'a pas le droit de tricher ni quand on est candidat, ni quand on est établissant d'enseignement supérieur. Enfin, c'est le rectorat qui va diriger la commission d'accès à l'enseignement supérieur que vous pouvez éventuellement saisir au mois de juillet si par malheur vous n'avez aucun vœu. Et cette commission a pour objectif de vous trouver des formations dans lesquelles il reste de la place et qu'il correspondrait au maximum à vos désirs d'études supérieures. Et enfin, c'est donc dans les équipes dévouées et dédiées à Parcoursup que vous aurez les réponses à toutes vos questions, comme jeune ou par mail. N'hésitez pas à le faire. Alors, quelques conseils pour être certain d'obtenir au moins une proposition d'admission, parce qu'on est bien d'accord que c'est le but. Viser juste, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de viser trop haut, même si on peut tenter, par exemple, on parlait de classes préparatoires aux grandes écoles tout à l'heure, vous avez le droit donc de demander 10 établissements différents pour un seul et même type de classe prépa, par exemple la prépa ECG pour les écoles de commerce. Donc, bien sûr, dans le lot, vous pouvez demander des classes prépa qui semblent atteindre. Maintenant, si vous ne demandez que les 10 meilleures classes prépa de France alors que vous avez un dossier scolaire, je ne sais pas, entre 12 et 14, vous pouvez être à peu près certain que vous ne serez pris nulle part. Donc, le but n'est pas celui-là. Ce n'est pas de dire, mais, comme le disait la maman de Candice, ce n'est pas les meilleures écoles forcément qu'il faut viser en termes de classement, on s'avoue, à la fois en termes de niveau et à la fois en termes de valeur. Donc, visez juste. Ensuite, être cohérent. Formations dans lesquelles vous voyez bien que les attendus ne correspondent pas ou que finalement l'école propose un programme mais qui ne correspond pas à ce que vous dites dans votre lettre de motivation. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, évidemment, soyez totalement cohérent entre ce que propose l'école, les débouchés à la sortie et ce que vous allez exprimer à la fois dans votre projet de formation motivée et dans ce que vous avez fait peut-être en extrascolaire. Et enfin, et ça c'est mon conseil évidemment, faire un maximum de vœux possibles. Vous avez droit de faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Avec tout ça, vous verrez, ça va vous permettre même de candidater dans bien plus d'écoles que ça grâce au concours commun, notamment comme Sésame. Donc, profitez-en, faites-le. Utilisez toutes vos chances de manière à être sûr d'avoir obligatoirement au moins une proposition d'admission. Ça, il faut respecter des délais. Donc, on va rentrer dans le détail du calendrier Parcoursup. Donc, il y a trois phases globales, trois grandes phases. La première phase, c'est celle qui a débuté, je dirais, depuis novembre-décembre jusqu'au 18 janvier. C'est celle qui consiste à préparer ses vœux, hein, ses candidatures. Ensuite, on va rentrer dans le détail du moment où vous allez pouvoir vraiment rentrer sur la plateforme. Et puis, ensuite, à partir du mois de juin, ce sera la phase de réponse. Donc, depuis le 20 décembre, vous pouvez déjà consulter tout ce qui est accessible via la plateforme Parcoursup, consulter, vous informer, aller voir les fiches, aller sur les sites internet, aller aux journées portes ouvertes, etc. La plateforme est ouverte donc depuis le 20 décembre. Mise à jour pour les formations accessibles en 2023. Entre le 18 janvier et le 8 mars, vous allez donc pouvoir vous inscrire sur Parcoursup, c'est-à-dire créer votre dossier avec identifiant et mot de passe. La plupart du temps, les lycées vous aident à le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, ben vous le ferez chez vous. Ce n'est pas compliqué. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est évidemment de sélectionner vos vœux. Donc, vous avez jusqu'au 8 mars inclus pour sélectionner vos fameux 10 vœux et 20 sous-vœux. Attention, au-delà du 8 mars,
enfin du 9 mars très exactement, vous ne pourrez plus ajouter de nouveaux vœux. Vous pourrez éventuellement en enlever, mais pas en ajouter. Et vous avez, on vous laisse jusqu'au 6 avril pour rédiger vos candidatures, c'est-à-dire rédiger ce fameux projet de formation motivé et la rubrique activité centre d'intérêt et également déposer toute pièce complémentaire qu'on vous demanderait de déposer via la plateforme. J'en profite pour vous dire que vous ne pouvez pas déposer volontairement d'autres documents que ce que l'on vous demanderait. Ça, c'est impossible. Donc, inutile de chercher à avoir des lettres de recommandation ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait soutenir votre candidature. Ce ne sera pas possible, vous ne pourrez pas les mettre. C'est uniquement si on vous demande des pièces complémentaires. Deuxième phase qui est la phase de sélection. Donc là, ça ne vous concerne plus. Les jeux sont faits. Donc, à partir du 7 avril et jusqu'au 31 mai, grosso modo, donc les établissements vont étudier vos dossiers, vont corriger vos épreuves écrites, vont vous faire passer les épreuves, vont corriger vos épreuves écrites, vont vous faire venir aux oraux et vont faire leur classement de tous les étudiants qui ont candidaté dans leur établissement. Donc, on est bien d'accord que pendant ce temps-là, comme disait la maman de Candice, vous n'y pensez plus, c'est terminé, les jeux sont faits, on va dire. Vous n'y pensez plus, sauf si vous allez passer des épreuves, bien évidemment. Mais une fois que vous avez passé vos épreuves, terminé, concentrez-vous sur ce qui vous reste à faire, à savoir terminer votre terminale le mieux possible et surtout préparer les dernières épreuves qui vous attendent, à savoir la philo et le grand oral du bac. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas laisser tomber ce troisième trimestre. Parce que sait-on jamais, si l'année prochaine vous décidiez de vous réorienter ou si finalement la formation dans laquelle vous êtes rentré ne vous plaisait pas et que vous vouliez repasser par Parcoursup l'année prochaine, alors votre dernier trimestre de terminale comptera et votre épreuve de philo et de grand oral aussi. Troisième phase, la phase de réponse. Donc à partir du 1er juin et officiellement jusqu'au 13 juillet, vous aurez donc, au fil de l'eau, les réponses des établissements d'enseignement supérieur, avec les quatre types de réponses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, à chaque fois que vous allez recevoir une proposition d'admission, vous devrez répondre de votre côté si vous acceptez définitivement la proposition, auquel cas, à partir du moment où vous allez cliquer sur le « oui, j'accepte définitivement », ça veut dire qu'automatiquement, ils vont être éliminés. Et vous allez libérer les places pour tous les autres candidats. Si la proposition d'admission, certes, vous fait plaisir, mais n'est pas le premier vœu que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez aller, alors je vous invite à cliquer plutôt sur le « oui, mais je maintiens mes vœux en attente », ce que vous pouvez faire jusqu'au bout de la procédure. À chaque fois que vous avez deux propositions d'admission, vous devez obligatoirement en abandonner une et vous ne pouvez en conserver qu'une. Donc, notamment, en conserver une, vœux en attente, d'accord ? Donc, ne répondez pas trop vite. Si vous voyez que vous êtes en attente ailleurs et qu'on vous fait une proposition d'admission dans une école mais qui vous plaît un peu moins, vous dites oui, je maintiens mes vœux en attente. Et à chaque fois qu'on vous repropose une deuxième admission, vous vous reposez la question de laquelle est-ce que je conserve, laquelle est-ce que j'élimine. Et si ça ne vous plaît pas du tout, évidemment, vous dites non. Sachez qu'il existe la possibilité, quand on n'est pris nulle part ou quand on voit qu'on est sur liste d'attente et qu'on n'est pas forcément bien placé sur la liste d'attente, de démarrer une deuxième phase de candidature grâce à la phase supplémentaire qui va ouvrir mi-juin. Vous pourrez alors formuler 10 nouveaux vœux uniquement dans les formations dans lesquelles il reste de la place, bien évidemment. Donc, vous n'aurez accès qu'à ça, de toute façon, à ce moment-là, sur Parcoursup. Donc, ce sera obligatoirement des vœux différents de ceux que vous aviez déjà formulés. Mais en tout cas, vous avez une deuxième phase tout à fait identique à la première qui va ouvrir sur les vœux sur lesquels il reste de la place. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voyez que c'est mal parti pour vous. Ou si déjà, vous savez que vous êtes pris nulle part. Et enfin, donc, cette fameuse commission d'accès à l'enseignement supérieur dont je parlais tout à l'heure, qui pourrait éventuellement être saisie à partir du 1er juillet. Pour terminer, on va parler du combien. Combien de vœux, combien d'argent, combien de temps. Alors, la petite complexité du système, c'est cette histoire de vœux, de sous-vœux. Les termes sont parfois mal employés. Alors, moi, j'ai essayé de les classer de trois manières.
trois manières, c'est-à-dire ce que j'appelle les vœux multiples, c'est ceux qui vont ouvrir le compteur des sous-vœux. Ce sont les BTS, les BUT, les classes préparatoires aux grandes écoles et les DNMAD, dans les diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Ce sont les seuls vœux pour lesquels vous allez avoir, donc le vœu, ça sera le nom par exemple du BUT technique de commercialisation, et les 10 sous-vœux, ce sera les 10 IUT dans lesquels vous souhaitez faire ce BUT tech de co. Ensuite, vous avez les vœux uniques, c'est-à-dire sans sous-vœux, c'est-à-dire que le vœu est obligatoirement attaché à un établissement ou à une école. Donc, c'est le cas des licences, une licence de droit à Toulouse, une licence de droit à Paris, à Sas, ce n'est pas la même, donc ce sont deux vœux différents. Les diplômes d'établissement, donc c'est le cas de la plupart des écoles de commerce, par exemple, qui vous proposent soit un BBA, soit un bachelor, soit un programme grande école, donc c'est bien le diplôme de l'établissement. Donc ce sera un vœu unique qui n'ouvre pas le compteur des sous-vœux, même s'il y a plusieurs campus et que vous avez le droit de candidater dans plusieurs campus pour ce même diplôme. Ça ne comptera pas dans vos 20 sous-vœux. Et puis, les concours, bien évidemment, d'établissements propres à une école. C'est la même chose. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les vœux groupés. C'est le cas notamment du concours Sésame. Donc, grâce à ce concours, on a vu tout à l'heure que vous aviez accès à une multitude d'écoles et à une multitude de programmes. Tout ça, c'est un seul vœu. Ça ne compte pas dans les sous-vœux. Donc, ça veut dire que ça augmente énormément, finalement, au total, l'ensemble de vos vœux, même si on ne le voit pas dans les 10 vœux et dans les 20 sous-vœux. C'est le cas également des IFSI pour les écoles d'infirmières, d'infirmiers, de soins infirmiers. C'est le cas également pour les PASS, pour ceux qui veulent tenter médecine, les parcours spécifiques santé, ou des écoles nationales vétérinaires. Bon, ce sont juste quelques exemples pour vous faire comprendre un petit peu cette différence entre les vœux qui ouvrent le compteur des sous-vœux, les vœux uniques où il n'y a pas de sous-vœux et les vœux groupés pour lesquels il n'y a pas de sous-vœux non plus. Donc, je résume, 10 vœux, 20 sous-vœux et 10 sous-vœux maximum par vœu, mais avec un maximum de 20. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 10 fois 10 égale 100. Vous n'avez pas la possibilité de formuler 100 sous-vœux. Une petite précision, si vous candidatez dans un établissement qui propose la formation avec ou sans alternance, par exemple, ou si vous voulez faire des vœux en alternance et puis des vœux en apprentissage, donc, ou des vœux uniquement en formation et des vœux en formation initiale, ça vous double votre nombre de vœux. Ça viendra en plus. On peut faire 10 vœux en initiale et 10 vœux en alternance. Pareil pour l'internat. Si vous candidatez dans une classe préparatoire aux grandes écoles qui a un internat, vous pouvez demander la CPGE avec et sans internat. Ça ne comptera pas dans votre compteur de sous-vœux. Ça vient s'additionner. Je vous ai fait un petit tableau qui est un tableau d'exemple. En fait, imaginons que vous ayez décidé d'optimiser un maximum vos possibilités de rentrer dans des études de commerce et que vous pourriez demander les 10 vœux en question. Donc, en haut, on voit exactement quels sont vos 10 vœux. Je demande le BTS Commerce International et donc dans le sous-vœu, par exemple, je choisis de le passer à distance avec le CNED puisque c'est une possibilité. Donc, hop, j'ai un sous-vœu. Un sous-vœu ici et au final, donc, un vœu en bas. La classe préparatoire ECG, par exemple, j'ai listé un certain nombre de lycées dans lesquels j'imagine que je suis prêt à aller. Donc, finalement, ça me fait 7 établissements possibles pour une seule et même formation. Je demande le BUT technique de commercialisation, je le demande dans différentes villes de France, il n'y a que ces villes-là qui m'intéressent, donc, voilà, je ne suis pas au maximum des 10 sous-vœux possibles, mais j'en ai demandé 6. Je demande la licence de gestion de Toulouse School of Management ou de Paris School of Management, parce que je crois que ça s'appelle comme ça également. Non, c'est PSE. Toulouse School of Management, c'est une des IAE, des instituts d'administration des entreprises, par exemple. Donc là, on l'a bien dit, une licence, c'est un vœu qui n'ouvre pas le compteur des sous-vœux, c'est lié à l'établissement. Donc voilà, je n'ai pas de sous-vœux écrit.
Je pourrais demander à passer le concours écrit comme bachelor qui permet d'accéder à 9 bachelors d'école de commerce. Je pourrais m'inscrire au concours Sésame, donc je candidate dans 14 écoles, 17 programmes. Je pourrais aussi passer le concours Access, ça fait 4 écoles, 9 campus. Pourquoi j'ai mis 4 ? Pas du tout. 3 écoles, 9 campus. La licence de droit d'ASSAS et pourquoi pas un bachelor coordination de projet de développement international et sociétal dans l'école 3A. Et enfin, le bachelor de l'ESCP qui est très international. Donc, vous voyez que j'ai rempli mes 10 vœux. En termes de sous-vœux, finalement, j'ai 14 sous-vœux. Hein, les 7 ici, les 6 ici et celui-là. Mais au total, finalement, c'est comme si je candidatais dans 53 établissements. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas se dire, oh là là, mes 10 vœux, 20 sous-vœux, ce n'est pas beaucoup. En réalité, on peut candidater dans beaucoup plus d'écoles et d'établissements que cela grâce à ces fameux vœux groupés et au concours. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un investissement. D'abord, en termes de temps. Là où vous allez passer le plus de temps, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est la phase 1. Donc, on n'attend pas la dernière minute, évidemment, on n'attend pas le dernier jour pour réfléchir aux vœux que l'on veut saisir dans Parcoursup. La phase 2, ça va être inégal, c'est-à-dire c'est ce temps où on passe éventuellement des concours ou des épreuves orales. Ça va dépendre des vœux que vous faites. Certains n'ont aucun entretien à passer, aucun concours à passer. D'autres vont en passer beaucoup. Donc, évidemment, le temps à consacrer et à les préparer et à les passer va être très inégal d'un étudiant à l'autre. Et puis enfin, la phase 3, qui est la phase de réponse aux candidatures, franchement, ça ne prend pas de temps. Parce que si vous avez bien préparé tout le reste en amont, moi, je vous conseille de hiérarchiser vos vœux pour vous, parce qu'ils ne le sont pas dans Parcoursup, de savoir dans quel ordre de préférence vous souhaitez accepter vos vœux. Et comme ça, ça ira très vite. Quand les réponses vont tomber, vous savez si c'est votre vœu numéro 1, vous acceptez définitivement, vous éliminez tout le reste. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous maintenez en attente jusqu'à ce que vous ayez d'autres réponses. Donc ça, ça peut aller très vite. Mais enfin, il y a également un investissement en argent, puisque d'abord, si vous vous déplacez pour aller, évidemment, ça a un coût. Les inscriptions au concours sont payantes. Et puis ensuite, évidemment, il faut avoir anticipé les frais de scolarité, puisque quand vous rentrez dans une école de commerce, mais aussi dans certaines écoles publiques, il y a des frais de scolarité à payer, plus ou moins élevés, évidemment, selon les types de diplômes et d'écoles. Il faut évidemment l'avoir anticipé. Donc, de la réflexion, en passant par les salons, les journées portes ouvertes, les immersions, etc., qu'on va rajouter, et tout le reste, tout ça, ça coûte un peu de temps et d'argent, pas négligeable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir à peu près tenu le timing et évidemment, je suis disposée à répondre à toutes vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran, qu'elles soient précises ou générales. Je vous écoute. Ah, par contre, je ne vous entends pas. Merci Laure pour cette présentation très complète sur Parcoursup. Donc, on va passer effectivement à la phase questions-réponses. Donc là, j'ai une question qui concerne le choix d'une école par rapport aux spécialités réalisées en terminale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si on fait SVT maths, est-ce qu'on peut intégrer une école de commerce ? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment pour Excelia, puisque vous êtes l'exemple type d'une école qui ne met pas de barrière. Ça va peut-être dépendre des écoles, mais globalement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai pas vu d'école de commerce qui impose un choix de spécialité en première et terminale. Alors évidemment, pour passer certains concours, notamment le concours Access et peut-être un peu le concours Sésame, on peut se dire qu'avoir gardé maths, ça va permettre de réussir plus facilement les épreuves de logique, de raisonnement mathématique. D'accord ? Et ensuite aussi, peut-être pour poursuivre les études dans l'école. Mais pour autant, il y a des étudiants qui ont arrêté complètement la spécialité maths qui y arrivent ou d'autres qui l'avaient en première et qui ont gardé uniquement en maths complémentaire interminale qui y arrivent aussi. Tout ce qui est SES, histoire, géo, géopolitique, sciences politiques, évidemment, on peut se dire que ce sont des enseignements de spécialité qui sont plus directement liés aux études de commerce. Et pour autant, quelqu'un qui est passionné, qui s'intéresse, qui a vraiment envie d'apprendre, même s'il a fait SVT, même s'il a fait autre chose, il va s'en sortir parce qu'il va s'y mettre. Je confirme qu'il faut tenter sa chance. Très bien. Alors, Candice, tu avais choisi quelle spécialité en terminale et en première ? Alors, en première, j'avais mathématiques, donc SES et physique-chimie.
Et j'avais gardé donc mathématiques et SES. Donc c'est vrai que oui, les maths, bah, par exemple, je les réutilise là depuis mon début d'année, par exemple en économie, tout ça. Mais en tout cas, avec Célia, on a eu en début d'année une semaine de séminaire de remise à niveau en mathématiques et qui se concentrait vraiment sur seulement les notions qu'on allait utiliser, parce que bien évidemment, sur tout le programme qui est fait en spécialité mathématiques, il y a des choses, on va dire, un peu complexes, un peu abstraites, qui ne sont pas spécialement repris en école de commerce. Donc, je pense que maintenant, les écoles, avec du coup la nouvelle réforme, font en sorte de faire un petit peu des mises à niveau. Pareil, donc moi, je n'avais pas du tout pris géopolitique et on a une partie géopolitique dans le Bibi international d'Excelia. Et bah, pareil, en début d'année, on a eu quelques jours où voilà, on a reparlé un petit peu de géopolitique, d'événements, enfin des choses que moi, je n'avais pas forcément vues. Et après, comme on a tous des parcours différents au lycée, on peut bah, s'entraider entre ceux qu'on fait maths, ceux qu'on fait sciences économiques et sociales. Il y en a aussi dans ma classe qui ne viennent pas du tout de filière générale, qu'on fait par exemple STMG. Donc eux, bah, ils vont être plus en avance en quelque sorte sur tout ce qui est management, ressources humaines. Donc vraiment, il y a des profils très très variés. Oui, donc, tu confortes bien que en ayant eu un profil scientifique, tu as bien intégré Excelia en première année. Donc oui. Ça confirme ce que disait Laure, effectivement, auparavant. Vous aviez abordé donc, le fait qu'il y ait des candidats étrangers dans Parcoursup. Oui. Est-ce que ces mêmes candidats à l'étranger ont les mêmes chances d'intégrer une école de commerce en France sur Parcoursup? À partir du moment où ils ont, soit ils sont candidats européens, soit ils étaient à l'étranger. Hein. Oui. Attention. Oui. Parce que sinon, ce sont d'autres procédures. Ils sont traités exactement de la même manière, à la même enseigne. Hein. De toute façon, les candidatures sont anonymes. Je tiens à le préciser quand même, dans Parcoursup. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas d'où vient l'élève. Hein. Les établissements ont tout à fait accès au lycée dans lequel était scolarisé l'élève. Mais il n'empêche que les candidatures sont anonymes. Donc, bien sûr, tout le monde est logé exactement à la même enseigne. Et concernant le nombre de vœux, donc il y a 10 vœux à faire, est-ce que vous conseillez de faire ces 10 vœux ou de se limiter, se concentrer sur un top 3, top 5? Alors, moi, effectivement, personnellement, et dans tous les accompagnements que je fais, donc puisque j'accompagne énormément d'élèves pour les aider justement dans leur candidature notamment, d'abord dans leur projet professionnel, puis dans leur candidature ensuite, moi, je leur conseille d'utiliser le maximum de vœux possibles. Mais à l'intérieur de ces vœux, pour autant, il faut de ne pas choisir que des vœux qui vont demander énormément de travail. Passer 3, 4, 5 concours, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Parce que ça va vous disperser, vous allez être obligé de vous entraîner à fond sur tous les types d'épreuves. Je pense que pour le coup, ça, c'est compliqué. Par contre, pas des concours, des formations sur dossier, des formations sélectives, des formations non sélectives, ça, c'est intéressant. Voilà. Et c'est en cela que je conseille, moi, toujours d'utiliser le maximum de vœux possible. Donc, selon les filières, on arrive jusqu'à 10. Puis il y a d'autres filières pour lesquelles, ben non, finalement, on n'arrive pas à 10 parce qu'il n'y a pas 10 formations qui nous intéressent et qui correspondent à nos critères. Mais si on peut, moi, j'essaye d'optimiser. Je suis très prudente et je leur dis systématiquement, je leur conseille de faire 10 vœux. Très bien. Et toi, Candice, tu avais fait combien de vœux l'année dernière sur Parcoursup? Alors, effectivement, comme vient de le dire Laure, j'avais essayé de mélanger, on va dire, les différents vœux qui étaient possibles. Donc, j'avais le concours Sésame, donc on a vu un vœu groupé. J'avais mis des classes préparatoires et donc là, j'avais utilisé les sous-vœux. J'avais dû en mettre peut-être 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et après, du coup, comme j'avais mis des licences aussi et qu'on a vu que les licences, c'est un vœu, si je ne me trompe pas, je devais être... Bon, j'étais pas allée jusqu'au 10, mais j'avais essayé au moins de varier les différentes portes d'entrée pour aller en études de commerce. D'accord, très bien. Et pour vous, madame, comment vous l'avez accompagnée dans ces vœux, dans ces choix de vœux? Est-ce que vous aviez votre mot à dire sur Parcoursup ou... Alors là, moi, Candice a été autonome très rapidement. Et en fait, j'avoue qu'elle a quand même géré ça quand même toute seule. Enfin, voilà, oui, on l'a accompagnée, bien sûr, sur
la rédaction, un petit peu la rédaction des lettres et puis vraiment ce qu'elle voulait faire. Mais par contre, moi, ce que je voulais préciser, c'est que, par exemple, le concours… Alors, je suis désolée, on parle très concours Sésame parce que voilà, là. Mais en fait, il faut savoir que le concours Sésame, effectivement, après, vous sélectionnez des écoles. Mais l'école, en fait, n'a pas tous les mêmes critères, même dans le concours Sésame. C'est-à-dire, par exemple, alors, je ne sais plus, mais admettons, Excelia, peut-être que les chiffres sont faux, mais… Ils vont faire, par exemple, je sais pas moi, coefficient 3 sur le dossier, coefficient 2 sur le, comment ça s'appelle, le concours. L'oral va peut-être compter pour coefficient 5. Et puis, bah, si vous faites une autre école, par exemple, l'ESSEC, bah, l'ESSEC, le dossier, ça sera peut-être coefficient 10, le concours, coefficient 5. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que, certes, le concours est global, mais derrière, c'est pas les mêmes critères. Tout à fait. Donc, par exemple, vous avez peut-être raté, je sais pas moi, l'épreuve de logique, concours Sésame, bah, ça ne va peut-être pas non plus trop compter pour une école et plus compter pour l'autre. Donc, vous avez quand même vos chances. Enfin, je trouve que c'est important aussi de, voilà, de varier aussi les écoles selon vos forces, en fait. Oui, complètement. Et c'est vrai que le coefficient le plus élevé pour Excelia, c'est le coefficient en langue, anglais. Voilà. C'est vrai qu'on a découvert ça, en fait, parce que pour moi, concours, c'était un concours, et puis voilà. Et pareil, Laure disait, oui, de mettre le maximum de vœux, de sous-vœux, et par exemple, le concours Sésame, de sélectionner les écoles. Mais moi, je me dis, les écoles, n'en sélectionnez pas non plus trop, parce que si vous êtes admissible aux oraux, admettons, partout, bon, moi, Candice en avait sélectionné 4, elle est admissible aux 4, bah, admettons, si vous en avez mis 10 et que vous êtes admissible, bah, je trouve ça un petit peu dommage après de refuser un oral, parce qu'en plus, nous, l'année dernière, on avait genre que 15 jours ou 3 semaines pour passer les oraux, parce que comme les épreuves de SPE avaient été déplacées au mois de mai, bah, ça a mangé un peu sur les semaines des oraux. Donc, on avait 3 semaines bah, pour caser les oraux avec des déplacements en province. Elle avait fait La Rochelle, Troyes, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. Faites attention aussi. Ne dites pas… il faut mettre le maximum de chance, mais je passe au concours Sésame et je sélectionne 10 écoles. Bah, après, vous risquez de ne pas pouvoir passer les oraux dans toutes les écoles. Donc, c'est un petit peu dommage. Et pareil, parce que quand les dates des oraux arrivent, sachez que ça se remplit très, très vite. Donc, vous êtes peut-être disponible parce que vous passez et le lycée continue. Ce n'est pas pendant les vacances scolaires. Enfin, en tout cas, nous, l'année dernière, c'était ça. Donc, le lycée continue en plus. Donc, ratez, mettons, 10 jours parce que vous allez passer 10 oraux en province. Bah, c'est pareil, c'est un petit peu dommage vis-à-vis de la vie lycéenne aussi. Essayez de sélectionner très en amont aussi les écoles, vraiment où vous voulez aller selon les programmes. Mais voilà, il y a ça aussi qu'il faut tenir en compte. Oui, je trouve c'est bien que vous ayez précisé ça, parce qu'en fait, quand on passe un concours commun, on va donc avoir la possibilité de sélectionner les écoles dans lesquelles on souhaite candidater à l'intérieur de ce concours commun. Donc, effectivement, ce choix-là, il doit être fait en fonction de plusieurs critères. D'abord, l'école en elle-même, s'être bien renseignée pour être sûr qu'on va s'y plaire. La ville aussi, parce que ça va dépendre des campus. Donc, si on y est allé, c'est encore mieux pour se rendre compte. Les frais de scolarité, et là, les parents ont leur mot à dire quand même, a priori. Et voilà, qui change d'une école à l'autre, évidemment. Et puis après, la distance, peut-être, les frais de transport que ça va engendrer, etc. Tout ça, ce sont des critères auxquels il faut réfléchir quand même en amont, me semble-t-il. Ça ne sert à rien de candidater dans une école dans laquelle on est sûr qu'on n'ira pas. Et les frais de logement aussi, parce que nous, étant sur Paris, on est à La Rochelle. Elle est logée à La Rochelle. Voilà. Moi, je tenais juste aussi à dire, vous parlez des frais de scolarité. Par exemple, pour Excelia, je pense que c'est important de le dire aux parents, on peut étaler les frais sur cinq mois. Donc, c'est sympa aussi. On n'est pas obligé dès juin ou septembre de sortir la totalité de l'année. Il y a quand même un étalement sur 5 mois. Et voilà. Tout à fait. Alors, merci à tous. Et merci donc à leur perche, Candice et sa maman pour ce témoignage. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des journées portes ouvertes prévues sur nos différents campus. Donc, je le rappelle, la semaine prochaine, nous avons nos journées portes ouvertes, donc Orléans et à Paris. À Paris, le campus sur lequel je me trouve, donc je serai ravie de vous y accueillir. Et ensuite, les prochaines journées, donc on aura une journée commune à l'ensemble des campus, La Rochelle, Tours, Orléans et Paris, le 4 mars. Et également, on reste à votre disposition pour les entraînements aux oraux, donc à distance, qui vous ont beaucoup aidé, Candice, à ce que j'ai compris. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Très bien, bah je vous remercie, mesdames, et à très bientôt sur notre campus. Merci beaucoup. Et au plaisir d'échanger. Au
excusez-moi. Merci moi, à toi. Pardon, j'aurais juste une précision à demander à Laure, parce que j'étais parent d'élève, j'étais au conseil d'administration de mon lycée. En fait, la question avait été posée. Quand vous dites que la phase de, supplémentaire là, qui démarre mi-juin, où on peut faire 10 nouveaux vœux, la question c'était l'étudiant, quand il fait ses 10 vœux, est-ce que ça annule tous ses vœux d'avant? Et en fait, est-ce que c'est. En fait, on n'a pas su, la proviseur n'a pas su répondre en fait à cette question. Il avait fait, admettons, 10 premiers vœux. Il était, bon, refusé ou éventuellement en liste d'attente. Et l'élève voulait refaire 10 nouveaux vœux et elle lui a dit, attention, les 10 nouveaux vœux vont annuler ceux où tu es en liste d'attente. C'est vrai, c'est pas vrai? Enfin, voilà, ça peut être rassuré aussi des parents. Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne crois pas. Alors, je vous avoue que c'est vrai que j'ai très peu d'élèves qui sont passés par la phase supplémentaire parce qu'en fait, quand on fait bien le travail en amont, on est pris. Donc, et je n'ai pas souvenir. Alors, il se trouve que j'ai accompagné des jeunes qui sont venus me voir juste au moment de la phase supplémentaire, mais qui n'avaient été pris nulle part. Attendez, non, ça ne doit pas annuler parce que j'ai accompagné une jeune fille, maintenant je me souviens, une jeune fille de Perpignan qui candidatait dans les IFSI justement pour rentrer en école d'infirmiers, qui n'était prise nulle part et qui était très loin sur ses listes d'attente. Et j'avais conseillé à sa maman de faire une deuxième phase de vœux dans la phase supplémentaire. Ce qu'elle a fait. Et finalement, elle a été prise. Mais je n'ai pas le souvenir que ça ait annulé ses premiers vœux. Cela dit, j'ai quand même un doute. Donc, moi, j'irai le vérifier. Je vous ferai passer l'info, si vous voulez, via Excelia. Parce que j'ai quand même un sérieux doute sur la question. Je ne sais pas, en fait. Voilà, Manonou, la question, c'est une colle. Alors, j'en profite juste pour ajouter un petit truc qu'on n'a pas dit, qui est hyper important. Je vous ai dit que tout ça se terminait le 13 juillet. En fait, non. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut vous inscrire au plus tard le 13 juillet. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que si vous êtes sur liste d'attente et que vous êtes bien placé sur liste d'attente et que vous êtes sur liste d'attente dans une école, dans une formation qui vous plaît vraiment, il ne faut surtout pas l'éliminer. Parce que vous pouvez être encore appelé pendant tout le reste de l'été, juillet, août, jusqu'à mi-septembre. Et chaque année, j'ai des étudiants à qui cela arrive. Donc, dans ces cas-là, quand on arrive à mi-juillet et qu'on voit qu'on a eu une proposition d'admission, mais qui ne nous plaît pas trop et on est toujours en attente ailleurs, dans ces cas-là, moi, je vous invite à prendre contact systématiquement avec Parcoursup, avec l'établissement dans lequel vous souhaitez aller, dans lequel vous êtes sur liste d'attente, pour vérifier ce que vous devez faire. Logiquement, il ne faut pas encore accepter définitivement la proposition que vous avez eue pour pouvoir maintenir vos vœux en attente, pour qu'on puisse vous appeler. Parce que sinon, c'est fini, ça va archiver vos vœux en attente et on ne pourra pas vous appeler. Alors, je vous dis, en théorie, c'est comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que si ça vous arrivait, et que par erreur, vous avez cliqué sur « oui, j'accepte définitivement », dans ces cas-là, vous recontactez Parcoursup le plus vite possible. Vos vœux ne sont pas supprimés, ils sont mis en archive. Et donc, ils vont être capables de les remonter pour vous permettre finalement d'accepter une proposition d'admission. Donc, attention, cette date du 13 juillet n'est pas complètement définitive. Vous avez encore possibilité d'être pris pendant tout le mois d'août et jusqu'à mi-septembre. Alors, c'est sûr qu'en termes d'organisation, ce n'est pas facile. Je vous le concède, chercher un appart entre le 1er et le 15 septembre dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est compliqué, mais ça arrive. Et tous les ans, il y a des jeunes qui sont ravis finalement d'avoir une proposition qu'ils acceptent à ce moment-là. Aviez-vous d'autres questions à poser ? Sur le chat, vous n'avez pas d'autres questions? Alors là, on a une spectatrice qui nous dit que donc, effectivement, la phase complémentaire permet d'ajouter de nouveaux vœux. Oui, non, mais ça, on est d'accord, de nouveaux vœux. Mais est-ce que ça maintient bien les 10 anciens vœux? Je crois que oui, mais j'en suis pas sûre. Ça maintient bien effectivement les vœux au préalable. Et effectivement, c'est le service des admissions reste ouvert jusqu'à mi-septembre pour accueillir les nouveaux inscrits, pour accompagner aussi, orienter aussi vers les meilleures formations, et notamment chez Excelia avec le choix très varié de formations. Alors, on a également l'accompagnement dès l'inscription à l'aide au logement. Sur nos différents campus, on accompagne aussi au logement. Il y a effectivement des étudiants boursiers, comme vous l'avez dit précédemment. Donc, on accueille aussi les étudiants boursiers avec le CROUS, enfin les différents CROUS en France.
Et on a aussi des rendez-vous personnalisés qui sont maintenus aussi durant l'été et en septembre pour accueillir les derniers arrivants. Très bien. Bah, écoutez, mesdames, je vous remercie. Ce fut un agréable moment, une belle conférence en ligne. À très bientôt et au plaisir de vous revoir. Et bon courage pour les journées portes ouvertes. Bon courage, bonne poursuite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.